Eh bien, bonjour à tous, c'est Larkin. Aujourd'hui, nous retrouvons pour la suite de Luigi's Mansion 3. Ah, je sais plus combien de parties ça fait, mais ça commence à faire beaucoup. Je crois que c'est la sixième partie. Donc là, je suis... Enfin, j'étais un peu coincé. Mais, voilà. Donc, dans la précédente partie, j'ai eu trois clés différentes. Le carreau, le cœur, et je sais plus quoi, le trèfle. Enfin, là, en ce moment, j'ai le trèfle, mais l'autre, c'est l'as de pique, voilà, l'as de pique. Mais là, je vais retourner ici. Voilà, je vais retourner ici parce que j'avais pas vu qu'il y avait un passage ici. Et oui, encore une fois, j'ai regardé une vidéo. Et encore une fois, la personne a découvert un secret que j'avais pas découvert. Donc, voilà, j'en profite. Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Ah! Ah, salut toi! Allez, viens ici! Viens ici! Viens voir tonton! Ah oui, il se laisse pas faire! Oh putain, il se laisse pas faire! Ah oui! Il m'a carrément cloué au sol! Ah oui, il bouge tellement que j'ai vraiment du mal à le tirer vers moi! Hein. Oh là là! Oh là là! Ah ouais, ça donne... En plus, c'est marqué le chiffre, la valeur de chaque... Il est pas très intelligent, le fantôme, quand même. Il pourrait fuir dans une autre pièce, sinon il fait que tourner en rond. Ah bah, tant pis pour lui. Et tant mieux pour moi. Voilà, voilà. Allez, on se remplit les poches. On se fait bien plaisir. Et voilà. Bon, j'aimerais refermer le frigo. On peut pas? Non, bah, tant pis. Ouais, comme d'habitude, on dévalise tout ça. On garde bien ce qu'on peut faire. Ah, les billets! Alors, ça vaut combien, les billets? C'était pas... Ah, d'accord, un billet, ça vaut 5 pièces, en fait. Ok. Et les lingots d'or, ça en vaut 20. Ok. Très bien. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on a tout fait. Ah, ici, j'avais déjà tout visité. Donc... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... On va retourner en bas. Voilà, on va retourner en bas. Et on va essayer un autre truc parce que précédemment j'avais essayé de souffler là-dessus, mais j'avais beaucoup de mal à faire tourner les deux. Et j'avais pas pensé, voilà, j'avais aspiré comme ça, mais j'ai pas pensé à souffler. Ça a pas l'air de marcher plus que ça, hein. Ouais, bon, je vois pas trop. Ok. Là, je me tourne comme je peux, mais bon. Attendez, je me mets là. Je me mets bien ici, mais... Mais on peut, il n'y a pas un moyen de faire tourner les deux en même temps? Non, on peut pas? Ah oui, attends, oh mais que je suis bête. Attendez. Attendez, bah oui, voilà. Ah bah voilà, c'était ça la soluce, d'accord. Ah, fallait y penser. Pas mal comme idée ça, pas mal. Voilà. Donc avec Luigi, maintenant je vais pouvoir passer au travers. Allez, on va faire tourner les sièges. Ah, deux fantômes en or!
Ah ouais, deux pour le prix d'un, sympa ça. Ils ont pas mal de points de vie quand même, hein. 250. Allez, viens par ici. Ça va passer à la casserole. Par contre, l'autre, j'espère que c'est pas barré parce que... Bon. Voilà. Allez, viens ici. Viens ici. Et voilà, c'est dans la boîte. Ah, j'ai eu les deux. Ou il y en a un des deux qui s'est barré. Ah, j'en ai quasiment 10 000 de pièces. C'est énorme. Attendez, oui, c'est ça. Non. Ah non, non, c'est pas ça. Ah, chaque fois j'ai du mal. Hein. Non, il n'y a rien de spécial. Hein? Mais c'est quoi ces araignées? Ah bah voilà, j'ai dépassé les 10 000. Je suis riche. C'est officiel, je suis riche. Excellent. Ah, calendrier. Ah bah il y a un peu le calendrier. Voyons voir s'il n'y a pas un passage. Non, il n'y a rien. Ouais, il n'y a pas la machine là pour le truc du trèfle. Ah! Ah, d'accord, ouais. C'était invisible, d'accord. Ok, le machin il était invisible quoi. Ouais, bon. Et à travers les miroirs, par contre, on n'aurait pas pu le voir, hein, à mon avis. Bon, ben voilà, très bien. Attends, je regarde si j'ai bien fouillé là. Ouais. Bon. Et voilà la clé étoile qui va me permettre d'arriver dans la pièce. Où il y a le fantôme shérif. Voilà, le shérif fantôme qui avait l'air d'avoir peur pour trois fois rien. Il a l'air aussi trouillard que Luigi, d'ailleurs. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, bravo. Ah ouais, très malin là. Ok. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord. Allez, Luigi, tu vas y arriver. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Ah, ça veut vraiment pas que je monte. Ah, je m'attendais à affronter un... J'attendais à affronter le shérif, mais à la place, c'est le fantôme de Meat Boy. Il est pas content de toutes les défaites que j'ai infligées, donc forcément, il m'en veut énormément, là, ça se comprend. Attends, attends. Ah ouais, d'accord. Ah là, ah, faut pas s'approcher de lui. Ah, ouais. Ah, ça va, il perd quand même des points de vie. Là, voilà, il s'agit de l'immobiliser. Ah, c'est peut-être le criminel que le shérif recherche, d'ailleurs. Et s'il faut, il va être gentil avec moi. Et j'aurai pas à l'affronter. Et il perd doucement les points de vie, hein, quand même. Oh, putain, mais vas-y, je t'ai bloqué par l'escalier. Ah putain, j'ai pas le temps, hein.
Ah putain, mais il va me niquer! Oh là là, ça y est, les bruits qui stressent. Oh putain. C'est chelou ce bruit là. Ok, bonne nuit. Je sais, il est temps d'aller me coucher, il est déjà 23h. Reprends. Le fun est présent. Voilà. Le fun est palpable, comme dirait Hooper. Voilà, le combat le plus passionnant de Luigi's Mansion 3, les enfants. Eh bien, on peut dire qu'il était du genre à ne pas se laisser faire. Je suis même étonné que tu aies réussi à l'attraper. Un peu de patience et puis voilà, quoi, c'est tout. Il sera très utile dans mes recherches. Continue comme ça, mon garçon. Oh, oh. Bon, allez, on va aller voir le shérif. Alors, est-ce qu'il va me féliciter ou est-ce qu'il va falloir le combattre? Là est la question. Bon. Ok. Oh mon dieu, il a eu peur. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah non, il faut le combattre. Ok. Bon, je commençais à croire que le fantôme rouge était le bandit qu'il recherchait, mais apparemment... Peut-être pas. Attendez. Attendez, je vais essayer un truc. En plein combat contre le boss, moi je me remplis les poches, normal. Ah d'accord, oui j'ai compris. Il y a un pistolet d'eau. Donc, à mon avis... Ah, j'espère que tu m'en veux pas, hein. Je te dévalise un petit peu. Rien de bien méchant. Voilà, à mon avis... Bonjour, bonjour! Hey, ici! Hey, ici! Oh là là, mais quelle violence, mais quelle maltraitance! Pauvre quand même! Allez! Aïe 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 aïe! Il y a déjà presque plus de points de vie! Oh là là, oh là là, oh là là. Eh, faut maigrir un peu. Ah bah voilà, très bien. C'était plutôt facile. Et un peu plus intéressant que le fantôme rouge quand même, hein, que le fantôme en forme de Meat Boy. Et voilà, le numéro 2 apparemment. Hein? I did it.
Bon, on va fouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'il fait? On fouille, on fouille. Non. Bizarre qu'on puisse pas fouiller dans la poubelle. On peut pas l'aspirer. Non. Dans les cartons, il n'y a rien. Que je n'oublie rien cette fois. Hein. À chaque fois là. Bon. Allez. On retourne. Allez, on retourne. Ouais, c'est... voyons voir la carte un petit peu. Voilà, la carte. Je comprends pas comment on zoome et on dézoome. Ah, d'accord. C'est l'autre bouton. Ok. Donc, il faut appuyer sur A et utiliser le stick gauche du Joy-Con. Très bien. Ces pièces du bas, j'ai pas visité. Si? Il y a. Ah oui, ça j'ai déjà eu. Bon. Ok, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Attendez. Juste voir encore un truc. Ah, ça, je l'ai eu. Ouais, je l'avais eu. Ah, voilà, on peut péter des trucs comme ça. Ah, mais apparemment, il n'y a rien. Ah, si, il y a plus de pièces. Allez, viens ici! Ah mince, raté! Oh là là, j'ai un peu fait n'importe quoi! Allez, on casse ça! Bon, il n'y a pas énormément de sous là! Pas grand chose! Bah, tant pis. Allez, sors de là. Ouais. Attendez, je vais voir un truc. Ah non, y a rien. D'habitude, il y avait une table avec des chaises là, mais là, il n'y a plus rien. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Là, on peut retourner voir Monsieur Catastrophe. Mais bah, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Ah oui, là, ah oui, là aussi, il y avait un petit secret. J'avais pas bien fait gaffe, mais il faut vraiment regarder. Quand il y a un miroir, faut vraiment être attentif parce que là, ça nous montre qu'il y a une bouche d'égout alors que là, il y a rien. Ce qui veut dire, faut utiliser le révélateur. Et voilà, je fais apparaître une bouche d'égout, j'aspire les petits machins là. Attendez. Pas mal. Ah, je fonds. Et voilà, on se retrouve à un passage secret où on aspire plein d'araignées. Par contre, il faut faire gaffe à l'eau. Ok, très bien.
Allez, venez par ici. On sent toi en billet. Ah, mince. Allez, viens par là, toi. Allez, on va tourner les vannes. Si on y arrive. Tu sembles pas gagner. Pourquoi ça tourne pas? Faire ça. Ah! D'accord, fallait souffler. D'accord. Ah! Et voilà! Et là, je vais pouvoir passer! Oh, boy. Phew. Très bien! Bon, là. Là, obligé. Comme ça, on le rappelle. Et là. On ouvre ça. Et on va à l'intérieur. Et là, je peux passer et récupérer. Et récupérer la récompense. Ah ouais, ça en fait 3 sur 6 des larmes. L'arme de joyau. Ok. Apparemment, il n'y a rien d'autre. Attendez. Juste voir le miroir. Ah ouais, c'est bon. Il n'y a rien de spécial. Hein. Et voilà. Maintenant, on peut aller retourner voir le professeur Catastrophe. Voilà. Yeah. Le deuxième étage. Oh yeah. Oui, l'ascenseur peut te conduire au hall d'entrée du deuxième niveau. Maintenant. À ta place, j'irai tout de suite. Attends. Je vais d'abord te montrer ma collection de fantômes. Voilà. Là, on va lui rendre une petite visite, professeur Catastrophe. D'ailleurs, attendez. Voir d'autres trucs d'abord. Ah, c'est pas par là. Là. Ah, voilà. Là, on voit que le mur est fissuré. Et voilà, plein d'argent. Bon, ça aussi, je l'avais vu dans une vidéo, évidemment. Il me semblait qu'ils avaient trouvé autre chose aussi, mais... je sais plus trop quoi. Bon, rien de spécial. Ok. Derrière, j'ai cru voir des pièces. On peut pas. Je regarde bien. Je suis partout, je regarde bien. Allez, la poubelle. Ah ouais. Ah, je l'ai bien cassé, là. Ah, et ça. Ah, ah ben, je vais pouvoir appeler Luigi, là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça, par contre, j'avais pas vu dans une vidéo. Là, je découvre vraiment. Ah, sympa ça! Tiens, ici, je vois qu'il y a un autre truc. Ah mince, on peut pas le mettre? Ah, si! Ah, d'accord. Ok, bon, je vais y aller moi-même. Attends, il y a un truc là. Bon.
Ah, d'accord. Des pièces, des pièces. Oh merde! La godin est tombée! J'entends l'araignée là en haut, mais il y avait une araignée d'or aussi, mais c'est barré. Oh putain, dégoûté. Oh dégoûté, l'araignée en or s'est barré. Attends, je vais partir et revenir peut-être. Attends, je vois qu'il y a une... on dirait une échelle là, on peut pas y aller. Non. Voilà. Et là, c'est... attends, il y a une pièce. C'était pas une pièce. Ah, c'est barré. Bon bah tant pis hein, c'est dommage. Attends, 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 parce que là... Ah, je fouille pas assez moi. Voilà. Bon, allez. C'est assez amusé. On va aller voir le professeur Catastrophe. Ah. Allez, on va mettre les fantômes là-dedans. Ah. Ah oui, c'est les fantômes de base, ça. Petit chenapan. Un fantôme rare. Pourtant, il n'y en a pas trop, hein. Fantôme notable. Par contre, les boss... on n'en a pas croisé un seul, hein. Comme quoi, on est encore au début du jeu. Ça, c'est cool. Bon bah voilà. Bon, on dit merci. Allez. On va continuer à explorer l'hôtel. On va aller se rendre au deuxième étage, mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette partie vous aura plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, portez-vous bien. Ciao.